Hey donc, salut tout le monde, c'est le 454 pour le 12e, 12e, non, déjà 12e ou 13e, je ne sais plus, épisode de Pokémon version Oracle. J'espère que vous êtes tous bien, moi perso ça va super, parce que moi je vais juste éteindre mon portable, voilà, parce que oui, j'étais en, juste avant de tourner, j'étais en live, voilà, tout simplement pour vous dire, j'étais en live sur Twitch, pour chasser Goupilou chez Nid, mais ça on s'en fout, parce qu'on est sur Pokémon Oracle. Enfin bref, qu'est-ce qu'on a fait lors du dernier épisode? Eh bien, on a capturé un nouveau Pokémon dans notre équipe. Pokémon que je m'étais promis d'entraîner et que je n'ai pas fait, qui est Captain Krabs. Captain Krabs, qui est tout simplement un Krabit, voilà, tout simplement. Krabby mâle pressé d'Oliville. Et c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. On s'était amusé à la pêche, quoi. Et donc, du coup, on était censé rejoindre. Enfin, aller dans le phare du. Du moins, excuse-moi. Hop, c'est un dresseur lui, du coup, ou pas? Je sais pas du tout. Non, ça n'a pas l'air d'être un dresseur. Hop là, allez, on va se dépêcher, on va avancer le plus vite possible dans ce let's play. C'est ce que je disais dans mon live, c'est que je trouve que ce let's play dure un peu trop longtemps. Ça veut pas dire que ça me plaît pas, hein, ce jeu, au contraire. C'est juste que ça fait un petit moment que je suis dessus et peut-être falloir qu'un de ces quatre, je le termine. Allez, bon bye ça. Envoyer Norfang versus Norfang. Je peux pas faire mieux. On va y arriver. Ou pas. Là, on a joué un peu au pif, là, sur le coup. C'était le combat le plus long du monde. Heureusement qu'il est en accéléré. Sur ce, engage notre amitié naissante, que dirais-tu de procéder à un échange de numéros de téléphone? Tout à fait. Mr. Gentleman. Voilà. Parfait. Ainsi nous pourrons prendre contact quand bon nous semblera. Ah, je voulais changer de Pokémon, j'ai pas eu de bon réflexe là sur le coup. Les marins sont toujours partants pour chercher la querelle. Ça c'est très cliché par contre. Alors, on va commencer par un échange de Pokémon. On va envoyer Floria. Je crois que ça allait friser, j'étais en train de me dire merde, on va commencer à recommencer l'épisode, ça c'est nettement ça. Alors. Bien sûr. Voilà. Tétarte. Merci chef. Ouais. Ah, il me donne mon numéro, calme. Là je bégaye un peu parce que je sais pas trop si c'est une bonne idée, mais je pense que Nani Nani aurait sa place ici. Hop. Oui, c'est un ornithologue ça. Oh cool. Ouais, nickel. Oh. Cette perte de voix c'était légendaire. Ouais. J'ai un problème de de gorge ce temps-ci. J'ai la gorge un peu irritée, j'ai l'impression, et du coup j'ai tous. C'est le froid, les amis. Et pourtant, je sors couvert. Hein. Je mets des écharpes et des bonnets. C'est pas l'enveloppe externe de mon corps qui manque, on va dire. Dans le langage courant, normalement, on dit une tenue ou une couverture à la limite. Il y a combien de roucoul ce fou là? Ah, quand même. Alors. Éclair. Voilà. J'ai eu un commentaire qui me demandait si j'allais faire la suite entre. Oh, génial, génial, j'adore. Si j'allais faire la suite de cette espèce, c'est-à-dire la partie Kanto. Bien sûr, les amis, ça fait partie du let's play. Pourquoi je ne ferai pas la partie Kanto? Ouais, on va tous les faire. Jasmine doit s'inquiéter à propos de son Pokémon. Elle ne sourit même plus. Bah oui, tu m'étonnes.
Il est très fort, Nani Nani. Mais pas tarder à évoluer. Je suppose. Attends, je vais. Bah, viens. Ah bon. Normalement, il y a une sortie à partir d'ici là. Juste derrière l'ornithologue. J'ai envie de voir ça. Voilà, presque vaincu ce fou. Hop, on monte au niveau 28. On prend de l'avance. Hein. Hop, ça c'est une sortie, non? Pas du tout, c'était une fenêtre, je me suis fait avoir comme un bleu. Et ça c'est une sortie. Pas du tout, c'était une fenêtre, je me suis fait avoir comme un bleu. Et ça c'est une sortie. Pas du tout. Oh, dis-moi que ça combat double. Oh, dommage. Il est presque... Ah ouais. Et toi, t'es quoi? T'es un photographe? C'est monsieur F. Auto, tu sais. Non, mais je veux pas de photo, frère. Hop, super repousse. Bon, j'ai la flemme d'attendre. Normalement, faut accélérer les choses, tu vois. Mad Shock. Oh bah, hey, oh, on va changer de Pokémon. On va envoyer petite sainte parce qu'il commence à prendre du retard, ce fou, hein. Allez, roue de feu. Roue de feu, ma gueule. Ouais, j'ai totalement laissé un Pokémon de type feu contre un Pokémon de type eau. Oh, on va faire un Flamèche dans un... Flamèche, Flamèche. On fait Flamèche, les amis. Allez, c'est... petite cendre. Ou ras-le-bol, ou ras-le-bol. Ras-le-bol. Notre cher vedette internationale. J'ai une sale gueule. Ça marche mieux, là. Ce Pokémon a éclairé la mer en permanence. Mais il est tombé malade tout d'un coup. J'ai du mal à... Il a du mal à respirer. On dit qu'il a une bonne pharmacie de côté de la mer à Irisia. Pourquoi est-ce que je n'ai pas écouté mon instinct précisément? Mais je... Ta gueule! Pourquoi est-ce que je suis là? Bon bah déjà... Déjà en fait non. Je dis pourquoi est-ce que j'ai pas écouté mon instinct? Pourquoi je suis pas tout de suite allé à Irisia? En fait j'avais pas besoin. Il fallait d'abord que je passe au phare. En ayant parlé du docteur qui va me donner le médicament à Irisia. Attends, je vais reconstruire ma phrase. En ayant parlé de Pharamp au docteur à Irisia, ça m'aurait permis de pouvoir directement prendre le médicament. Alors que si j'y serais allé sans savoir rencontrer Jasmine, l'événement n'aurait pas eu lieu. Alors, maintenant qu'on peut surfer avec le Krabi qu'on a capturé au dernier épisode, et bien on est bon. Pu 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 pu. C'est totalement le moyen de Krabi. Hop, on les a tous fait normalement. Ouais, on les a tous fait. Ouais. Je voulais juste me rassurer. Sauf celui-là. Alors, il est totalement niveau 15. On va le one-shotter avec trop de morts. Et il est terminé en un coup. Allez, on va continuer. Allez, on continue. Il me fait quoi, ce fou? On est des fous, nous. Et on va quoi? Tentacool. Et on va tout un armada, ce fou, hein. Armada. Pokémon O. Seuls les Rouennais peuvent comprendre. Je déconne, normalement. C'est plutôt connu, l'armada, je pense. On les fait tous, ces dresseurs, wesh. Oh, tu vas arrêter les conneries, hein. Si je t'ai dit, t'es KO, t'es KO. Allez, niveau 27, c'est parfait. On va changer de Pokémon quand même, parce que bon, il commence un peu à puiser le fou. Allez, on envoie Floria. Ah, on est déjà arrivé. Je dis, c'est passé vite, hein. On peut prendre en photo directement par ici. Oh, nice. Very nice. Hop. Oh, oh, oh.
Deuxième rencontre de Suicune. Il a totalement marché sur l'eau, hein, les amis. C'est... Salut Dialka, c'était Suicune, hein? Et je l'ai à peine aperçu, mais j'ai cru le voir courir sur l'eau. Il est si beau et si élégant. Il traverse ville et route à une vitesse prodigieuse. Quel être extraordinaire. J'aimerais tellement pouvoir l'admirer de plus près. Je sais, je vais me battre avec toi pour que Suicune remarque mes talents. En garde, Dialka. Mais t'as pas genre demandé si mes Pokémon étaient en bonne santé, mais moi j'avais pas calculé ce coup. Hein. Soporifique. Ah ah. On envoie. Ma chouille. Alors là, j'ai pas vu la suite. Ah! Destruction, fais-moi destruction, s'il te plaît. J'ai paniqué. Spectrum. Pourquoi est-ce que j'ai pas changé de Pokémon? Parce que je suis fou. Tu es extraordinaire, Dialka. Je crois que je comprends mieux pourquoi Suicune semble s'intéresser à toi. En tout cas, moi, je vais continuer à le poursuivre. Nous nous retrouverons peut-être un jour. Salut! Ouais, et nous remarquons que Krabby, moi, je marche sur le côté, c'est marrant. C'est très le drôle. Mais on va soigner tout d'abord notre Pokémon. Nos Pokémon, pardon, si on y arrive. Et c'est parti pour le soignage de Pokémon. Voilà. Krabby qui est totalement un Pokémon surf, presque inutile actuellement. Qu'est-ce que tu dis, toi? L'arène de cette ville est remplie de gens brutaux et violents. Ainsi, je les approche, même moi, j'ai peur d'en prendre une. Alors je préfère te donner un conseil, mon conseil ici. Le champion d'arène utilise des Pokémon de type combat. Alors je te conseille de les égarer avec des Pokémon psy. Balayer avant qu'ils déchaînent tout leur pouvoir. Et aussi, le champion Chuck est perdu dans sa méditation sous la cascade. Si tu ne coupes pas l'eau, il ne remarquera jamais ta présence. Mais au calme. Au calme, on l'a fait, cette arène. N'est-ce pas? C'est ici que le docteur est là. Oh, une potion, mais ton Pokémon, il m'a l'air en pleine forme. Quel est le problème? Ah, le Pokémon du phare. Je vois, dans ce cas, j'ai ce qu'il faut pour lui. Tiens, prends ceci. Potion secrète. Ma potion secrète est légèrement trop forte. Je ne l'offre qu'en cas d'extrême urgence. Merci, chef. On va lui donner après le combat d'arène, parce que l'arène de type combat nous attend. Enfin, je crois pas. En fait, on était de passage ici, de base. Oh, le champion d'arène. Il est plongé dans sa méditation. Il ne vous entend pas. Mais réveille-toi, grand fou. Alors, attention, attention. Speedrun. Allez. Bon, non, je déconne. Je déconne, non, mais... On va envoyer Toutoute, pardon. Parce que, vraiment dire que... Si on n'est pas capable de battre un Pokémon des Pokémon de combat, hein, grâce à lui. Il nous envoie Kikli. Pokémon étant centré sur la force, il n'est pas très défensif. Pic-pic. On n'a que Pic-pic, hein, on est vraiment peu équipé. Hein. J'espère qu'il apprendra une autre chose, genre lame d'air, tu sais. Hein, ou tout, je t'ai pas prêt pour que tu me fasses ça. Ah ouais? Là, carrément. Je n'ai besoin de rien, même pas des mots. Je fais parler mes poings. D'accord. Waouh. Et là, il envoie Machoper. C'est le combattant Ryu qui est envoyé. Hop. Oh, bon, on a totalement terminé. Hein. Allez, niveau 27, c'est nickel. Il apprend Bélier. Bélier contre Broa. Parce que Broa, de toute façon, c'est de la merde. On est tous d'accord pour dire ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Non, pas du tout. Je ne sais pas ce que je fais. Alors, du coup, je fais quand même. Ok. Tainion est envoyé. Choc mental. Lui, il est plus centré sur la défense. Oh, ça rigole pas, hein, dis donc.
Bon bah j'aurais au moins essayé de faire participer ce grand fou. Ce petit Captain Krabs. Est-ce qu'on fait pas soigner notre Pokémon ultime? Qui nous servirait genre à gagner cette arène. Parce que genre... comment dire que tout ça craint. Ça craint de ouf les amis. Allez on y go. Doulou, 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 doulou. Alors, d'accord. Mes points furieux vont tailler ton équipe en pièces. On va voir ça. Je crois pas. Hein. Ouais, je me disais aussi, le Colossin, je l'ai où? Bah écoute, je suis déçu de ton équipe, mon cher ami. On va aller là. Et il fallait pas aller là. Il y a un gros van. Ouais, blablabla. Hop. On le tourne. Mais... Et voilà. Quelle animation de malade, je suis impressionné. Hop, est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt? On envoie tout d'abord. Nani nani, parce que je suis presque sûr qu'il va envoyer Tétarte. Ou Tartarte. Wow! Le flot impétueux! Qui se déverse sans discontinuer sur mon crâne. Viril, mais. Hé, toi! La demi-portion. Qui t'a permis de couper l'eau? Je vais te montrer de quel bois je me chauffe. Et tu vas voir, je suis balèze moi. Je médite sous cette cascade plusieurs heures chaque jour. Quoi? Ça n'a aucun rapport avec les Pokémon? Ouais, c'est pas faux. Bon allez, finissons-en. Check, le champion le plus construit de tous les temps, pourquoi il a que deux? C'est un champion, il a que deux Pokémon. Ah oui, le niveau, ça explique. Il utilise éclair. Hein. Alors le paralyser, c'est déjà pas mal. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Comment dire que là t'es... Allez, termine-le. Very nice. Yes, sir. Et tu sors de mon niveau 27. Doom. Doom. Aha, je t'ai eu. Grand fou, va. Oh bah ça c'est génial, j'adore. Magnifique. Une sacrée défense ce fou. Hein. Est-ce qu'on va vraiment perdre? On a forcément des rappels. Je crois que j'ai un peu surestimé le champion. Ah, mais attends. Oh! Oh! Eh! Hey, hein! On va me faire une paire bleue comme ça, les amis. Il m'a fait surf, il m'a one-shoté, ce fou. On était limite, hein, quand même. Hein. Vous avez battu le champion de choc, fini. Ouais,
Ça alors, je m'attendais pas à perdre, moi non plus. À gagner, pardon. Tiens, tu as mérité, tu as bien mérité ce badge choc. Et le badge choc se joue au layout qui se trouve là. Là, ici, là, je suppose. Avec ce badge, tu pourras utiliser vol pour revenir en un instant à une ville déjà visitée. Ah, et en, tant qu'on y est, prends ça. Là, c'était une qui se trouve être... Mitra Point. Il faut attaquer en premier, sinon elle échoue. Mais si tu y arrives, elle fait des dégâts gigantesques. Mitra Point échoue quand on n'attaque pas en premier. D'accord. C'est le badge d'arène, de la reine d'Irisia. Oh, tu as bien mérité cette CS. Et c'est la CS vol, les amis. Avec la capacité vol, tu pourras venir en un instant à n'importe quelle ville que tu auras déjà visitée. Et c'est avec plaisir que je vais la prendre à tout août. Parce que bon, lui et son... pic-pic, on va pas aller bien loin. Donc je suis très content d'avoir... Hop, on va la prendre contre... Bon, lui, c'est... On va laisser hypnose, pic-pic et choc mental, du coup on va lui oublier bélier. Et on va soigner au Pokémon avant de s'envoler vers notre cieux. Quand même. Ça me paraît être la moindre des choses. Hop là. Envolons-nous. Cette phrase est tellement moche. Envolons-nous. Oh la vache, c'est moche. Envolons-nous. C'est moche comme phrase, ça, donc. J'ai l'impression de parler bizarre. Allez, go. Hop là. On va y arriver. Il respire avec difficulté. Hop. Ce médicament va-t-il vraiment soigner Fari? Bien sûr. Et hop, on donne le médicament. Ne le prends pas mal, hein. Mais Fari n'accepte que les choses qui viennent de moi, alors... Hop. Fari, comment tu te sens? Waouh, quelle animation de mal. Oh, je suis impressionné, hein. Soudainement, il fait plus clair, là. Oh, ça a marché, quel soulagement. Merci infiniment, tu nous as sauvés. Bon, je retourne à l'arène. Tu pouvais prendre l'ascenseur aussi, c'était pas interdit. Ce que nous allons faire d'ailleurs. Baobab. D'accord. Baobab. Ah, c'est toi, Dialka. C'est moi, Monsieur Baobab. Désolé pour l'attente. Le parc est enfin ouvert. Tu sais où il est? Je vois... tu vois le portail creusé dans la roche Aérisia. Tu le passes et si tu continues à marcher, tu arriveras au safari. Bon, c'est un peu éloigné, mais... viens, ça vaut vraiment le coup. Oh. Eh bien, les amis... on a deux choix qui se présentent à nous. Soit on fait l'arène de Olivine maintenant, soit on se gagne un peu d'XP et on fait... on va aller au parc. Ça me semble des plus logiques. On va y arriver. Hop. Ça me semble des plus logiques qu'on aille au parc maintenant. Et le prochain badge, on l'aura peut-être au prochain épisode. De toute façon, on est obligé de l'avoir au prochain épisode de toute façon. Hop là. Waouh. Mais les amis. Waouh. Écoutez-moi cette musique. Cette musique si douce. Cette musique si douce qui annonce la zone, une nouvelle zone dans Pokémon Or, Gold, Argent, Silver qu'il n'y avait pas dans Pokémon Or, Argent et Cristal.
est une zone aussi que nous allons explorer au prochain épisode parce que cet épisode s'arrête maintenant. Donc j'espère que ce dernier vous aura plu. Si vous avez plu, vous pouvez liker, vous pouvez commenter, pour écrire tout ce que vous voulez, vous pouvez vous abonner pour suivre toutes nos aventures sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne secondaire dans laquelle je fais des live chasses et plus encore. Vous pouvez aussi me rejoindre dans les réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Allez, sur ce, c'était LK64. Donc, salut tout le monde.